Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 15 août et il est 10h30. Et là, c'est ma dernière journée de congé avant de recommencer à travailler demain. Faut alors que je vais à l'épicerie parce que là j'ai absolument rien à manger. J'avais comme pas mal vidé mon frigo avant de partir. Je vais aller au gym aussi parce que là je me suis pas entraîné une fois la semaine passée. Pendant que j'étais en Gaspésie, j'ai pris ça vraiment relax niveau entraînement. L'affaire, c'est que la passe de gym, c'est vraiment par mois. On peut pas payer par fois. Puis je pense que c'est comme une trentaine de piastres, mais j'aurais payé 30 piastres pour une semaine. Fait que je me suis dit que ça allait juste être un break. Je suis quand même allé courir comme je courais habituellement. Fait que là, c'est ça. Il va falloir que j'aie ma caméra à charger parce que je vois qu'il y a la batterie flash. Mais dans le fond, j'ai mes bagages ici que je n'ai pas défaites. J'ai juste tout rentré ça et j'ai pas touché à ça. Fait que là, je vais finir le déjeuner. Je vais mettre ma batterie à charger. Puis, je vais ranger tout ça. Il me reste encore des bagages dans mon char parce que j'ai vraiment juste fait un voyage. Il fallait que j'en fasse comme deux. Fait qu'il me reste encore quand même pas mal de trucs dans mon auto. J'avais tout mis ça dans ma valise pour pas que ça comme paraisse qu'il y avait des affaires dans mon char. Fait que comme je disais dans mon vlog, je pense le dernier, qu'il fallait juste fermer ma valise puis que je pensais pas tout plier ça. C'est ça que ma valise a l'air. Fait que ça va juste être de tout vider. Au moins ce sac là, je sais que c'est mon linge sale. Le reste c'est tout propre, c'est juste de le sortir et de le ranger. Fait que ça devrait bien aller. Donc c'est fait, ça n'a pas été très long, il fallait juste le faire. Puis là, ma mère avait reçu des un truc pour faire des glaces de Nespresso. Vraiment cute, je sais pas pourquoi elle avait reçu ça, mais ils boivent pas de café glacé eux, fait que là, elle était comme j'en aurais pas de besoin, est-ce que tu les veux? Et absolument, ils boivent pratiquement juste des cafés glacés. Fait que c'est comme en silicone, des belles grosses glaces carrées, fait que ça va vraiment bien faire pour des cafés. Tu sais, je pense que t'en mets un par café. Tu le remets à geler pis ouais, t'es bon pour la prochaine fois. Faut que je vais pouvoir laver ça et l'utiliser. Fait que là, il est rendu 11h, je vais me changer et aller au gym. Faire un petit workout, même si j'ai pas très envie. On se botte le cul et on y va. Dans le fond, il manque des clips pour le... Comme avant de commencer le prochain, j'y trouve juste pas. On dirait qu'ils ont disparu, que ça n'a pas enregistré, je sais pas. Mais dans le fond, c'est le soir même, je vous disais que je venais de souper. Pis que pendant que j'étais en Gaspésie, comme le samedi ou le dimanche, je m'étais commandé un air fryer parce qu'il était en spécial. Fait que c'est ça, juste petite mise en contexte parce que ça commence assez raide. Puis là, je m'étais commandé un air fryer dans le temps que j'étais en Gaspésie parce que c'est Chloé Dagenais, je pense qu'elle a fait une collab avec eux. Puis là, on avait parlé sur Instagram que c'était en spécial. Fait que je suis allé voir et ça revenait à comme, je pense, là, 150$ au lieu de 225 ou 235, là, il y avait comme une quarantaine de pourcents de rabais. Fait que je me disais que ça valait comme la peine. Fait que j'ai commandé ça fou de même. Je pense que ça va vraiment être pratique parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Fait qu'on va ouvrir ça. Sauf que là, je sais pas si ça va encore être en spécial au moment où je mets ce vlog-là en ligne. Fait qu'on a le petit manuel ici et même un livre de recettes. What the hell? Voyons donc, oui. Le bon livre de recettes. Bon, regardez ça, ça peut être utile, mais je sais plus comme regarder sur Google et tout. On va regarder les petits livres. On a une plaque ici qui doit être la plaque qui va dans le fond de tout ça. Du styrofoam. Encore du styrofoam. Et la bête. Ah, c'est plus petit que je pensais. Je suis dans, ça va rentrer dans mon... dans le coin de mon comptoir. J'ai de la misère à parler ou quoi? Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne, mais il y a l'air d'avoir comme vraiment plusieurs options. Des frites, des légumes, de la viande, du poisson, du bacon, pour garder chaud, des cupcakes, du pain seulement pour des toasts. Intéressant. On va enlever les petits tapes. J'imagine que ça, ça va là-dedans. Ce qui ferait du sens. Voilà.
comme ça. Ça lit pas. En fait, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Ça colle pas dans le fond, j'imagine. Fait que, va falloir que j'aille lire là-dessus parce que là, tantôt, en revenant du gym, j'ai acheté des poitrines de poulet ici. Assaisonnées. Je sais pas trop c'est quoi, là. Assaisonnées FE. Sauce Dijonnaise, que c'est écrit ici. Ça sent vraiment bon. Fait que je me dis que je vais essayer de faire ça là-dedans. Ça va me faire des lunchs pour demain. Mais là, c'est ça. Va falloir que je lis un peu vite fait comment ça fonctionne. Fait que je vais faire ça et je vous reparle après. Ok, fait que ça rentre parfaitement dans le coin là de ma cuisine. Fait que là, j'ai lu rapidement. J'ai regardé une recette de poulet qu'il y avait dans le petit guide. Puis là, ça me dit de le préchauffer. Fait que c'est ce que c'est en train de faire. Il reste 3 minutes. Puis après ça, ça va cuire 20 minutes. Fait qu'on va suivre la recette. On va voir ce que ça va faire. Là aussi, j'ai vu qu'il y avait un guide pour l'application. Il y a une application qu'on peut télécharger. Fait que je pense que tu peux comme contrôler ça avec ton cell. Il y a un signe de Wi-Fi ici. Faudrait que je lis comment ça fonctionne, mais je pense pas que c'est tant utile d'avoir une application pour ça. Là, t'sais, il y a toutes les options sur le dessus. Puis je veux dire, tu startes pas un lunch quand t'es pas chez vous parce que ça sera pas dedans, anyways. C'est juste pour préchauffer, mais encore là, c'était 5 minutes. Là, fait que je vois pas tant l'utilité de l'application. À voir si je l'utiliserai un jour. Fait que là, poulet, ce serait ça. 20 minutes. Start. Fait que là, ici c'est la température qui est supposée à 380. Peut-être parce que je l'ai ouvert quand même longtemps là. Et 20 minutes ici. Fait que on va voir de quoi ça a l'air dans 20 minutes. It's ready. Ooh, looks good. On est rendu mardi, il est 7h10. J'arrive du gym, j'ai fait mon cardio aussi au gym. Parce que en m'en allant de travailler, il y a eu un gros orage. Ça fait vraiment chier parce qu'il a fait beau toute la journée. Puis j'avais envie d'aller courir, mais ça n'est pas arrivé. Fait que j'ai fait mon workout, j'arrive pour faire du vélo, une demi-heure de vélo. Et pendant que je faisais mon vélo, il s'est mis à faire beau. Mais j'étais comme, je suis juste le vélo. Fait que je vais juste comme rester là et le faire, mais ça fait quand même chier. Pour moi, c'est fait. J'ai fait un arrêt à l'épicerie et au Dollarama, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Fait que premièrement, des œufs, j'ai pris un pack de 30 parce que c'est ce qui revient le moins cher vu que j'en mange pas mal. J'ai pris 3 gruaux, érable et cassonade parce que j'en ai presque plus. Il est en spécial, puis là l'épicerie ont comme changé des trucs de place, là. Je comprenais rien de qu'est-ce qui était où. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, les rangées, les affaires de place. C'est déjà assez mêlant d'aller à l'épicerie que là, un coup t'es habitué, bang, ils te changent tout ça. Des bons idiots. Biscuits Vital, j'en avais plus. Bartend comme ça que je prends pour mes collations à la job. C'est la boîte de 28, ça aussi c'est ce qui revient le plus économique, ils sont vraiment bonnes eux. Au peanut, il y a comme du beurre de peanut un peu en dessous là, vraiment taste. Et je pense que c'est tout pour l'épicerie. Au Dollarama, je suis allé acheter des ramen, c'est rendu une autre marque. Je me rappelais plus si j'en avais. Ici, non, j'en avais pas et j'avais vraiment le goût de manger ça pour souper. Je vais me faire cuire ça et je vais me crisser genre 2 œufs là-dedans, ça va faire une petite protéine. J'ai oublié d'acheter de la sauce sriracha, j'aurais aimé ça mettre ça là-dedans. Mais j'en ai pas, fait que ça va être de la sauce, ça y est. Et là, péripétie par-dessus péripétie. À l'épicerie, dans le fond, il y avait comme un. Comme aux caisses. Caisses, mettons, avec des employés. Moi, j'étais comme aux caisses rapides, mais tu vois les caisses avec des personnes. Il y avait genre une vieille madame qui avait l'air chialeuse en crise, là, parce que dans le fond, quand je faisais la file pour la caisse sans service, c'est-tu sans service qu'on dit? Libre service. Puis la caisse avec service, je suis à côté du gars, dans le fond, qui est en arrière de la madame. De l'histoire. Puis dans le fond, j'ai entendu dire le gars à la madame si elle utilisait son panier parce que dans le fond, il avait quand même les bras pleins, c'était comme pas pris de panier. Puis la madame, elle avait tout fini de vider son épicerie, il restait juste son panier vide. Fait qu'il voulait juste comme déposer ses trucs dans son panier pendant qu'elle a payé. Puis là, elle dit genre, non, mon panier, je le garde parce que c'est pour garder une distance, mettons, entre moi puis toi. Comme, I guess, à cause de la COVID. Fait que le gars était vraiment fin, il était comme, ah, ok, pas de problème, tu sais, c'est vraiment correct. En tout cas, de ce que j'ai compris, il avait l'air correct. Là, après, j'ai pas entendu le reste, mais c'était quand même long parce que le temps que j'attende, que je scanne toute mon épicerie, que j'emballe toute mon épicerie, elle avait pas encore fini, la madame. Puis comme elle avait pas tant une grosse épicerie que ça, là,
mais comme vraiment pas. Fait que là, pendant que je suis en train d'emballer mes trucs à ma caisse, c'est ça, je sais pas ça a été quoi la conversation, mais elle s'est mise à genre parler fort, presque crier. Puis là, elle dit au gars, ah là, t'arrêtes-tu de me presser, puis nanana, comme si qu'il disait de se dépêcher, mais il avait l'air de comme absolument rien dire. Il faisait juste rire parce que c'était quand même un peu drôle. Fait que là, plus, tu sais, il riait pas, genre, haha, il était juste comme, mais là, plus qu'il riait, plus qu'elle s'enrageait, puis qu'elle se montait toute seule contre lui, mais comme il disait rien. Là, à un moment donné, on parlait de carte de métro. Puis là, il était comme, attends ton tour, là, avec ta carte métro, là, c'est moi qui paye, puis j'ai pas encore fini d'emballer mes choses. Puis là, elle parlait à la caissière, puis elle était comme, je t'ai envie de me faire presser quand j'y incite, puis là, je vais appeler la sécurité, puis là, elle gueulait. Alors là, c'est une folle. Le gars, je pense pas qu'il parlait parce que j'entendais comme pas. Ou qu'il disait des petits commentaires puis j'entendais pas, mais comme il avait vraiment l'air de rien faire. Là, elle a poussé son panier sur le gars. Elle était comme mon calice d'arabe. Vous venez au Québec et vous nous envahissez. Là, j'étais genre, toi, tu vas te calmer les nerfs, là. Tout le monde le regardait. Elle avait l'air d'une crise de folle. Elle était raciste. Une bonne Karen, là. Elle avait comme 65 ans. 65, 70 ans. Elle gueulait pour je ne sais quelle raison. Là, la madame, elle donne sa facture. La caissière, a dit là, sûrement qu'on s'est trompé là parce qu'on s'est fait déranger. Puis non, 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 mais j'étais comme c'est quoi le rapport? La fille, elle scanne. Genre que le gars, il te parle ou pas, la fille, elle scanne les affaires, ça n'a aucun lien. Là, parce qu'elle était vraiment folle. Vraiment une bonne folle. Fait qu'elle a fini par frisser son camp en chiolant, en disant encore qu'il n'y avait pas d'affaires ici, puis je sais pas quoi. Là, après ça, j'arrive au Dollarama pour mes deux ramen parce que j'avais oublié de m'acheter à l'épicerie. Sinon, je les aurais pris là. Ils sont quand même moins chers au Dolo, mais j'étais à l'épicerie. Fait que je les aurais pris là. Fait que j'arrive au Dolo. Je prends mes deux ramen. J'ai fait la file au moins 10 minutes. Là, mettons, tu dis 10 minutes, c'est pas beaucoup, mais attends 10 minutes dans une file pour deux paquets de ramen. Ça vient long. Pendant que ça va cuire, je mange des petits biscuits avec de la guac parce que j'ai vraiment faim. Et là, mon plan de la soirée. Ça va être de faire du ménage à la grandeur. Ma cuisine, ma vaisselle, mon bureau, laver mon lit, laver des serviettes, laver ma salle de bain, laver mes planchers. Parce que tout ça n'est pas fait et ma mère et ma soeur arrivent demain pour la semaine. Puis dans le fond, moi je travaille le jour, je ne suis plus en vacances. Il y a mon vendredi que j'ai off à cause qu'ils sont tout le temps off. Mais ça fait que je dois quand même faire tout ça live, sinon ça ne sera pas fait demain et c'est vraiment dû. J'ai pas fait de gros ménage avant de partir et ça paraît. Fait que ça va vraiment être ça mon plan ce soir. Ménage, ménage, ménage. Aussi, je vais vous faire un retour sur mon poulet que j'avais fait dans mon air fryer. C'était délicieux. Genre le poulet était vraiment juteux, c'était vraiment pas sec. C'est sûr que là c'était dans une marinade, comme je vous disais, mayo de genèse, je crois, mais je pense pas que ça faisait, que ça changeait, mettons, par rapport à si le poulet est tendre ou pas, mais c'était vraiment bon, là. C'était excellent. Fait que j'ai bien hâte d'essayer d'autres choses. Mais pour vrai, à date, je suis très satisfait de mon achat. Yummy, ça a l'air fucking taste. Donc, j'ai terminé de souper. Je vais vider ici mon bac de linge sale par terre. Je vais le remplir de mon lit, de serviettes, parce que je fais tout le temps les deux en même temps. J'aurais quasiment pu partir un lavage de linge, mais je pense que je le partirai peut-être plus demain. Il est dû, mais pas tant que ça. Je suis plus à ton note demain. Encore une fois, je n'ai pas conclu le vlog. Donc un gros merci d'avoir été là. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!